C'était une forteresse industrielle ici. Une forteresse industrielle, bravo, j'adore le terme, c'est vrai. Une forteresse industrielle. La dernière Renault est sortie par les portes là-bas. La dernière Renault. 1992. C'est Mademoiselle Renault, une jeune femme qui est sortie par là. Je crois que c'était une Super 5. Une Super 5, ça m'évoque immédiatement une jeune femme extrêmement forte en poitrine qui marcherait comme ça et dire « je suis la Super 5 ». Bon, en tout cas, depuis, ils ont tout rasé. Ils ont... Non, mais ils ont rasé l'usine. Non, je vois des graminées, je vois des plantes partout, je vois des potagers, je vois... Non, ils ont fait pousser, au contraire. Alors, il va y avoir un centre d'art contemporain. Il devrait y avoir aussi une cité de la musique. Il y a surtout ce beau chapiteau blanc. Mais c'est moi qui vous ai emmené là, alors ça suffit maintenant. Hein. C'est vrai, c'est votre idée. Oui, absolument. Parce que c'est le seul truc que j'ai pas encore fait. Le cirque ? Ouais. Ou le clown ? Ah, le clown, je le fais souvent, mais le cirque, j'ai jamais fait. Bienvenue, Élie Chouraqui. Merci de nous accueillir dans votre Paris des Arts. Alors, merci. Vous êtes auteur, réalisateur, producteur de cinéma. Vous avez mis en scène des comédies musicales, un opéra de Verdi, une pièce de théâtre. Vous êtes surtout un acrobate de la vie, de la création. Et vous avez donc décidé de nous emmener au cirque. Ah, j'adore. Ils nous attendent. C'est votre idée, ils nous attendent. Est-ce que j'arrive à faire un entrechat comme ça, genre comme ça. Et le Cirque du Soleil nous dévoile ses coulisses. L'occasion de découvrir l'un des numéros les plus époustouflants du spectacle Cousa, la roue de la mort. Oh là. C'est un sens souffle. C'est ça qui est beau, c'est l'apesanteur. C'est cet instant où je mets la couille. Ah là là. C'est fou de travail. Voilà pourquoi je voulais qu'on vienne là. Parce qu'en fait, il faut que les mecs soient des athlètes absolus. Il faut que la machinerie marche parfaitement. Il faut que la lumière fonctionne. Et en fait, tout à coup, le spectacle est total. Et il y a quelques minutes de magie absolue. Ils sont essoufflés, les mecs. Complètement. C'est ultra physique. À bout de souffle. Les débuts de la troupe remontent à 1984, 100 millions de spectateurs à travers le monde, 62 semi-remorques nécessaires pour acheminer 10 000 tonnes de matériel, 300 représentations par an. Est-ce que c'est un succès qui fait rêver le producteur que vous êtes ? Pas tellement le producteur, ça me fait rêver en tant qu'artiste parce que ça veut dire qu'il y a un rapport extraordinaire entre ce qu'est l'objet présenté, le spectacle présenté, et le plaisir du spectateur. Le ciel du soleil, Guy La Liberté, il a trouvé une nouvelle façon de raconter le ciel. Donc nous, on avait deux numéros qui existaient déjà. Il y en a un qui c'est le main à main et l'autre c'est l'unicycle. C'est quoi l'autre, le unicycle. Ah, vous êtes sur le vélo avec un nouveau. Vous la prenez, c'est vous qui l'a... Il a fait tourner, et voilà. C'est une grande famille, le cirque. Oui. Non, c'est génial. Si on est toujours avec les mêmes gens. Il y a tellement de nationalités différentes, tellement de différentes cultures que sûr, tu t'entends bien avec plein de gens. Ça fait un an et demi que je suis ici, puis je découvre encore. C'est incroyable, vos muscles. Je peux regarder? Oui. Je suis impressionné, non? Pas vous? Ah oui, vous ne m'avez pas vu sur mon manteau. Élie voulait essayer. Il voulait qu'on essaye, mais non, je lui ai dit que c'était une bonne idée. Bravo, c'est un travail de fou parce que ce sont des costumes faits à la main, sur mesure pour chaque artiste. Ça veut dire que quand on engage un artiste, malheureusement, cet artiste-là ne peut pas ni gagner ni perdre de poids. Alors, c'est des contrats. Mais c'est un travail de fou, les costumes, hein, parce que juste sur Cousin, on a 1000 pièces. Alors, ça va des costumes, aux chapeaux, aux chaussures et perruques. Ces costumes-là, qui sont les costumes que les trois contorsionnistes elles portent, dans les spectacles. Elles sont de quelle nationalité d'ailleurs aussi, elles me Mongolie. Ils viennent de Mongolie toutes les trois et ils ont 15, 16, 17 ans. Incroyable. Voilà. Mais ça vous a plu, hein? Ah, j'adore ça, oui. J'adore ça, en fait, ces costumes-là. Bon, vous avez toutes les pierres qui sont comme ça. Ouais. Ces pierres-là, ils tombent pendant le spectacle, bien sûr, avec les mouvements que les filles font. Hop,
Allez-y. Décidément, Elie Chouraki, vous êtes où on ne vous attend pas. J'essaie en tout cas. On est dans une galerie où vous exposez des photos, vos photos. Depuis des années, je vis une partie du temps de ma vie en Afrique, au Kenya. Et c'est vrai que depuis des années aussi, j'ai envie de témoigner de cet amour que j'ai pour le Kenya. Donc là, vous photographiez des murs. Donc là, je photographie des murs. J'en ai fait des milliers, mais ensuite je les travaille pour arriver à raconter une histoire que j'ai envie de raconter. Mais ça, ce n'est pas de la peinture. Les gens, celui ou celle qui a fait ça n'a pas imaginé à un moment donné faire une œuvre. C'est peut-être un truc qui s'est renversé, c'est peut-être quelqu'un qui a marché, quelqu'un qui est tombé. Jamais il y a... C'est curieux parce que c'est quand même malgré tout relativement structuré. Et ça me fait très plaisir ce que vous dites parce qu'en fait, ça prouve que l'art, il est partout où l'œil découvre qu'il y a de l'art. Je monte devant. Non, c'est le garçon qui monte devant. Ouais. C'est le garçon. Sur un escalier comme ça, oui. On va évidemment parler de cinéma, Elie Chouraki. Votre carrière a vraiment été lancée avec Mon premier amour. Mm-hmm. C'est un film que vous avez écrit, réalisé, produit. C'était quand même très culotté d'enfiler trois casquettes à l'âge de 28 ans. Oui, mais je me disais à l'époque, comme j'avais rien, je ne pouvais rien perdre. Donc je me suis dit, je vais tout faire. Et les gens étaient assez fous pour me confier la production. Ils étaient assez fous pour me donner un peu d'argent pour faire le film. Donc j'ai tout fait. Dans vos films, il y a des thèmes qui reviennent souvent. Vos origines juives, l'égalité, la fraternité, la quête d'identité, les amours impossibles. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers vos films ? D'abord, ce que j'essaie de faire, mais vraiment, tout en restant entertainment, parce que je crois que le cinéma, comme les spectacles que je fais aussi, sont faits pour aller vers le public, ce que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte que les gens sortent d'une salle en ayant un peu changé, en ayant pris conscience de quelque chose. Et je pense que c'est le grand changement du début de notre siècle, c'est que la vérité est dans la fiction. Les gens qui font de la fiction racontent quelque chose qui est vrai, parfois beaucoup plus vrai que les informations qu'on reçoit. Hollywood vous a ouvert ses portes avec Man on Fire. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette expérience américaine ? Racontez-nous comment ça s'est passé. Pas mal. La Californie, Los Angeles. C'est tout ce mythe américain, tout ce rêve des cinéastes qui vont à Hollywood. Mais puis, il y a beaucoup de choses que personne ne lui a dit. Est-ce que ça a été un tournant dans votre carrière ou pas ? Oui, ça a été un demi-tour. C'est-à-dire, j'y suis allé, je suis revenu avec grand plaisir. Alors en 1995, dans votre film Les Menteurs, Jean-Hugues Anglade incarne un cinéaste qui est en rupture avec le milieu du cinéma. La critique a été très dure avec vous, avec ce film. Mais la critique est toujours très dure avec moi. En particulier sur ce film-là, quand même. Heureusement que j'ai le public. Non, mais vous savez, ici en France, les critiques aiment bien. Vous savez, les gens n'aiment pas. Voilà, non, les gens n'aiment pas que. Enfin, on mène une autre route que vous connaissez, la chanson de Brassens. Là, vous avez quand même disparu pendant 4 ans. Oui, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, parce que c'était ma quarantaine, donc c'était un moment de ma vie où j'avais envie de prendre du recul, de changer, de réfléchir. Vous savez, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait des films entre guillemets plus engagés, que j'ai fait. Au Jérusalem, Harrison, des films comme ça qui étaient vraiment différents, des marmottes, de paroles et musique, des films que j'avais fait avant, qui étaient des comédies comme ça, où le rire avait une grande place. Alors, en 2000, vous vous lancez dans la comédie musicale. La comédie musicale, donc en 2000. C'est tellement bien l'amour. Avec Pascal Obispo. Avec Pascal Obispo. Vous avez donc monté. Vous avez monté les 10 commandements, ça a été clairement un triomphe. 1 800 000 spectateurs en France et un spectacle qui s'est exporté partout à l'étranger. Absolument. Mais comment vous en êtes arrivé à la comédie musicale ? L'an 2000 arrivait, c'était le millénium, et je me dis, j'ai rassemblé un peu les gens de ma boîte, je leur ai dit, écoutez, il faut trouver un événement exceptionnel pour faire un truc. Il y a un type qui est venu et qui m'a dit, pourquoi on ne fait pas les 10 commandements ? Et j'ai dit, c'est une bonne idée, mais pas au cinéma, Cécile Bédemille l'a fait très bien, il faut faire un spectacle musical. Ce soir, à nous de le voir.
souviendrai toujours le soir de la première. C'est une espèce de déflagration de bonheur qui est venu de la salle. Et je me suis dit, on a fait quelque chose, j'ai fait quelque chose qui est absolument hors norme. Mais alors, vos choix professionnels, vous les avez faits comment? Est-ce qu'ils se sont faits ou imposés d'eux-mêmes au gré des rencontres? Ou est-ce qu'au fond, vous avez juste fait ce que vous aviez envie de faire? Je vais citer, dans la bonne année, il y avait Lino Ventura, qui est la film de Lelouch. Il y avait Lino Ventura, auquel on posait à peu près la même question sur ses choix cinématographiques. Il disait, je choisis mes films comme je choisis une femme en prenant des risques. Quand on rencontre une femme, c'est un risque. On va mettre beaucoup d'énergie, de passion, de temps, d'amour, et on va peut-être être déçu et prendre des coups. Et bien, quand on crée quelque chose, quand on fait un film, un spectacle, c'est pareil. J'ai eu des grands coups durs, j'ai eu des grandes tristesses, j'ai eu des moments où j'étais désespéré, dépressif, mais dès que la lumière revient, dès qu'elle se rallume, et bien, j'essaie de plonger dans cette lumière. L'un des derniers projets d'Eli Chouraki, c'est l'adaptation au cinéma d'un succès littéraire, L'origine de la violence, le roman signé Fabrice Imbert. Alors, bonjour Fabrice Imbert. Bonjour. On va parler de ce film qu'Eli veut mettre à l'écran. L'origine de la violence, c'est votre roman. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? L'origine de la violence, c'est l'histoire d'un jeune professeur qui découvre qu'il a une famille cachée, une famille juive dont l'un des membres a été déporté à Buchenwald. Et c'est le film et le livre à l'origine, c'est l'histoire de cette enquête. C'est une histoire qui vous a immédiatement touché, Eli? Dévasté, passionné, enthousiasmé, bouleversé. D'abord, ça se lit comme un polar, mais des meilleurs. Et en même temps, on plonge au milieu de ce qui a été le mal absolu du XXe siècle. Fabrice, est-ce que c'est un rêve pour un écrivain d'avoir son roman adapté au cinéma? Alors, est-ce que c'est un rêve? En fait, j'y pensais pas. Et puis, la rencontre avec Eli a été évidemment déterminante, avec sa personnalité, sa détermination à vouloir monter le film. Et puis aussi, j'ai tout à fait accepté l'idée qu'on puisse mettre en image. Donc, pour l'instant, pas de financement, en tout cas pas assez. Donc vous faites un appel aux internautes, c'est bien cela? J'ai fait un appel aux internautes, ça a très bien marché, tout de suite. Pratiquement, ce qu'on a demandé, on l'a eu en quelques mois, quelques semaines. On avait demandé 300 000 euros, mais bon, après, on peut monter encore. Donc pour l'instant, cet argent a été rendu aux internautes en leur disant que tant que le film ne serait pas monté, évidemment, il n'était pas question de l'utiliser. Le problème, en fait, c'est la difficulté à expliquer aux financiers que ce type de film, pour une fois, n'est pas seulement un film qui doit apporter de l'argent. Évidemment, si ça rapporte de l'argent, tant mieux. Mais qu'il se place comme une œuvre indispensable de mémoire. Bon, vous avez déjà un super casting, une super distribution. Il y a un beau casting, oui. Il y a Nicole Yvauchel, André Dusselier, Virginie Ledoyen, Galabru. Que des gens qui sont des gens tout à fait formidables. Bon, Eli Chouraki, il y a la Statue de la Liberté juste derrière vous, mais nous ne sommes pas à New York, nous sommes à Paris et vous n'allez pas échapper à notre questionnaire Paris des Arts. C'est un souvenir d'enfance. En fait, c'était un soir, j'habitais rue de Lourmel dans le 15e avec mes parents et il avait neigé beaucoup. Et je devais aller au ciné-club voir Le train sifflera trois fois et les rues étaient vides et c'était comme être dans un conte de Noël. La rue des Grands Augustins, parce que c'est une rue que j'ai habitée quand j'étais un jeune homme, et j'ai eu là des années flamboyantes. Marcher, regarder la ville. Je suis toujours fasciné par cette ville. Partout où on regarde, quand on traverse la Seine, par exemple, c'est beau. Les deux abeilles, c'est un petit restaurant à l'université. C'est un endroit que j'aime beaucoup parce que c'est comme un...
un salon de thé à la fin du 19e siècle. Alors, il y avait une salle que j'aimais beaucoup, qui était une salle qui était la pagode. Mais maintenant, à l'époque, j'habitais ce quartier-là, donc j'y allais assez souvent. Maintenant, je me suis un peu éloigné, mais la pagode reste une salle mythique dans Paris. Le soleil, en hiver. Amour. Merci Élie Chouraqui. Vous pouvez bien sûr retrouver le Paris des Arts d'Élie Chouraqui sur notre site internet france24.com. L'info continue sur France 24. À très vite.